Je vous remercie d'être là, de prendre part à ces points de presse. Pour la première fois, nous sommes honorés de recevoir Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la culture congolaise, nouvellement nommé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Évidemment, c'est un honneur pour nous, la diaspora congolaise de l'Europe, d'avoir imprégné le compte-rendu de sa première mission officielle ici en Belgique, en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise. Et également, il va nous expliquer comment il voit la chose, quelle est sa mission et quelles sont les difficultés, évidemment, à l'occasion son cahier des charges. Il est entouré par des experts, donc je commence par le prof Mbaye, qui est un ancien analyste de chroniqueur politique, qui utilise aussi également de son expérience auprès de son expérience de son ambassadeur. Et également, Henri Paul Kendoki, qui organise ses points de presse. Je passe la parole à Henri, qui va nous déballer le contenu, et je viens évidemment de donner quelques points, et il va aller en détail pour nous déballer les points de presse d'aujourd'hui. Merci Henri Paul. Écho. Merci beaucoup, je profite de l'occasion pour vous remercier. Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre présence ici. Nous sommes vraiment honorés d'avoir M. Koffi Olomide avec nous. Je voudrais dire Son Excellence, M. l'ambassadeur Koffi Olomide, qui nous fait la primeur de sa. Voilà, c'est la première mission qu'il entame en tant qu'ambassadeur en dehors du pays et dans le royaume de Belgique que cela se passe. Et nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Et nous aurons la primeur de ses impressions, observations en tant qu'ambassadeur. On aimerait savoir, donc on a voulu monter ce point de presse pour qu'il nous éclaire un peu sur la mission qu'il a amenée, lui et sa délégation en Belgique. Et quelle est l'impression, quels sont ses sentiments et quelle est comment il définit sa mission ici et ailleurs, d'ailleurs, en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise. Voilà. Merci Henri Paul, si on peut mettre nos téléphones en mode silencieux, s'il vous plaît. Merci. Ces points de presse consistent à poser une balise au moment opportun des questions à l'ambassadeur et non à l'artiste, s'il vous plaît. Merci, je passe la parole à mon prof Mbaye. Bonjour, c'est un moment agréable. Le 9 février 2022, vous savez, le président de la République a enrichi le pays en nommant une icône que vous connaissez comme ambassadeur chargé de la culture, soutenir le renouveau culturel de ce grand pays qui est le nôtre. Il m'a demandé de vous rappeler, de resituer un peu ce qui est en train de se passer, parce que nous sommes dans un moment de transition. Nous sommes en Belgique, et vous savez que pendant tout un temps, lorsque la Belgique a choisi de coloniser le Congo, on était dans une autre pensée. C'était le devoir de civilisation. On ne peut pas imaginer un ambassadeur de la culture. Il n'y en avait qu'une seule. Et c'était celle qu'on devait nous apporter. Puis vous savez que nous avons eu un moment de rupture. Le roi a réfléchi. Il a demandé pardon aux Congolais. Nous sommes rentrés dans une nouvelle époque qui est maintenant une époque de dialogue. On sait qu'il se rend chez nous. Et maintenant, nous sommes dans cette réflexion sur le renouveau, sur le changement. Et donc, on a l'ambassadeur de la culture dans un contexte où on peut parler droit dans les yeux. Et c'est un des éléments qui va l'amener ici. On peut parler indemnisation. C'est un des éléments de la réflexion. Sans aller plus avant, je vais lui laisser la possibilité de s'entretenir donc avec vous, avec ceux qui me tiennent à cœur. Monsieur l'ambassadeur. On accueille l'ambassadeur, on l'applaudit. Bonjour. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence ici. Ça me touche, c'est un premier, parce que le bébé en matière de diplomatie, presque un pas dans la politique. Je me présente devant une aussi respectable audience. Je voudrais
avant toute chose, remercier du fond du cœur le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui a conseillé que je méritais d'être ambassadeur de la culture du Congo, avec moi, Guillaume Sidadjou, que je salue. Ma toute première expérience a été révélatrice. Ça m'a ouvert les yeux, j'ai découvert les choses, j'ai appris, j'ai posé des questions, j'ai obtenu des réponses. J'étais d'abord reçu par M. Lepagne, Stéphane Lepagne, au ministère des Affaires étrangères de la Belgique. C'était quelqu'un qui connaissait le chanteur Koffi Olomide et il a eu l'occasion de côtoyer l'ambassadeur de la culture, nous avons échangé. Il m'a donné beaucoup d'espoir parce que la première mission que je me suis confiée en tant qu'ambassadeur de la culture était de demander à la Belgique notre, permettez-moi de le dire comme ça, notre ancien papa, hein, notre colonie, les colons nous ont colonisés. Lui-même avait employé l'expression de dominer à dominant. Je lui ai demandé, moi je suis chanteur et il y a 8000 instruments de musique congolais ici en Belgique, dans votre musée, à Terre-Durand. C'est des questions comme des ordres qui n'ont plus de sens. Et j'aurais aimé savoir pourquoi c'est si important pour la Belgique de détenir ces instruments de musique. Pourquoi est-ce que, parce que vous connaissez déjà mon programme, j'avais fait une conférence de presse à Kinshasa, cela ne vous a pas échappé. J'avais expliqué les quelques 5 missions que je me suis confiées pour la première année de mon, je dirais ça comme ça, mandat. Alors la première mission était de venir ici, de demander au gouvernement belge, au nom des artistes, au nom de tous mes collègues artistes, de restituer ces instruments de musique que moi-même je ne connais pas, que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne connaissent pas non plus. Il m'a dit, Monsieur Koffi, nous avons parlé déjà par le gouvernement de ce sujet, qui est un sujet difficile. Nous, on veut bien restituer au Congo ces instruments, 8000 instruments de musique. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Et comment ça va se passer? Ça, c'était avant la visite que j'ai effectuée hier au musée de Tamil. J'ai compris le sens de la question de M. Lepagne, Stéphane, du ministère des Affaires étrangères belge, qui est chargé de ces affaires culturelles. J'ai compris le sens de sa question quand j'ai été au musée de Terre-Durand. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, vous, l'occasion de faire un tour par là. J'avais la chair de poule, j'avais la gorge serrée, et j'ai vu l'ampleur et l'immensité de la chose. Effectivement, ce n'est pas si simple. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos que nous avons un peu ingurgitées dans les réseaux. C'est quelque chose d'immense, d'organisé, de pensé, de conçu. Et défaire cela n'est pas aussi évident. Donc j'ai regardé, il y a des instruments dont je n'avais même pas entendu parler ni vu. Je n'avais jamais vu des choses extraordinaires. Et ils m'ont révélé qu'il y a des choses que les Belges ont achetées. Que les Belges de l'époque, à l'époque au Congo, ont acquis par des gens qui voulaient de l'argent, qui ont vendu, qui se sont séparés, qui sont défaits de ces objets, de ces instruments de musique. Des instruments de musique vraiment extraordinaires. Et la phrase qui m'a ému, la phrase qui a mis en moi de l'espoir, qui m'a rendu fort, c'était: le potentiel culturel congolais est probablement le plus immense du monde. Autant qu'on parle du sous-sol congolais. J'ai alors compris cela. Et le patron du musée de Terre-Durand, M. Guido, j'ai oublié son prénom. Guido, c'est son prénom. Voilà, Guido, qui on a fini par devenir le copain, me dit, mais M. Koffi, je le dis à vous, parce que moi aussi, j'entends toujours parler du contentieux Congo, quelques Congolais.
matière d'objets de culture, objets d'art, si vous allez à Amsterdam, il y a au moins autant d'objets d'art congolais détenus. Si vous allez en Suède, à Göteborg, c'est pareil. Si vous allez aux États-Unis, à Washington, au musée, il y a au moins là-bas le double de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire à peu près 15 000 objets culturels. Pour nous, et ça m'a rendu fier, nous sommes fiers de vendre l'image du Congo. Et ça, j'ai pu comprendre. Le problème, aujourd'hui, est pendant, parce que le musée qui s'appelait Musée du Congo, on nous a dit Musée Congo, aujourd'hui s'appelle Musée Afrique. Parce qu'effectivement, le leader, la tête d'affiche dans ce musée, c'est notre pays. Et puis moi, je me suis dit, dans mon programme, j'avais aussi prévu de demander officiellement au nom de mon pays, au gouvernement belge, au cas où vous accédiez à notre souhait de rentrer en possession de nos objets d'art, de nos instruments de musique, de vous demander de construire au Congo un musée digne de ce nom, à titre de compensation pour le manque à gagner que nous avons eu depuis toutes ces années, parce que pour rentrer au musée de Terre-Ulaye, on paye 12 euros la personne et 20 euros l'année. Donc on paye 12 euros et au moment où je visitais, c'était à moitié plein ou même plein. Il y avait des jeunes gens, beaucoup me reconnaissaient, des jeunes belges. J'ai fait, des, je ne sais pas, 200, 400 photos avec des jeunes qui étaient tous enthousiastes. J'ai même surpris dans un coin des jeunes en train de savourer, de danser sur la chanson Loi, qui décidément est une chanson qui est dans l'histoire, je peux le dire comme ça. Et puis, M. Guido, le patron, le conservateur de ce musée, me dira, le mieux à faire, M. Kofi Olomide, c'est d'éviter l'affrontement entre nos pays à ce sujet. Le mieux à faire, c'est de trouver un compromis, c'est de créer des commissions paritaires pour discuter, pour voir comment on peut faire. Mais nous, on n'est pas opposé. Mais seulement, construire le musée ne peut pas être une loi, ne peut pas être un dictat. C'est au bon vouloir du gouvernement belge. Moi, je ne peux pas décider. C'est là que moi, j'ai dit, mais écoutez, Bruxelles est la capitale de l'Europe. C'est ici qu'il y a le siège de la communauté européenne. Pour tous les problèmes dans lesquels la Belgique est impliquée, la France, l'Allemagne, il y a toujours intervention de la communauté européenne. Pourquoi pas, et puis on a rigolé, on a commencé à boire du jus, à boire de l'eau gazeuse, etc. Donc on en est à ça. Moi je suis fier d'avoir appris à une bouche autorisée, une bouche d'experts, que le patrimoine culturel congolais est à l'image des ressources de notre pays, c'est-à-dire l'un des plus grands, sinon le plus grand patrimoine culturel au monde. Maintenant, quand je vais rentrer chez nous, à Kinshasa, la semaine prochaine, je solliciterai de rencontrer le chef de l'État. C'est lui qui m'a chargé de cette mission. Et je vais lui dire deux, trois autres choses que je ne peux pas dire ici, qui ont un caractère un peu politique. Et puis, je verrai bien ce qui va en résulter. Mais je suis optimiste, c'est ma nature. Je ne désarme jamais. Et j'aimerais que vous vous notiez, parce que vous êtes des chroniqueurs de musique, hein, pour la plupart. Culturel. Culturel, on peut dire ça comme ça. Vous savez, on avait pensé que je ne viendrais que pour les 8000 instruments de musique détenus là-bas. Mais finalement, il y a eu d'autres objets d'art, des masques, des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Et j'étais admiratif. J'étais fier en tant que Congolais de voir tout cela. C'est une richesse, je ne sais pas comment le décrire, gigantesque. Nous ne devrions pas, nous Congolais, avoir autant de larmes qu'aujourd'hui. Nous devrions nous faire violence et avoir un peu plus de bon sens, un peu plus d'altruisme, un peu plus d'amour de notre pays, de notre nation. Je pense que ce sont les éléments qui nous manquent. Et ce manque fait que
nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a très peu de gens qui ont le sourire. Il y a des jeunes gens, des vieillards qui sont devenus des laissés pour compte, des parias, qui ne savent pas comment s'en sortir. Et ça part dans tous les sens. Moi, je vis là-bas au quotidien. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Et encore une fois, le citoyen congolais que je suis ne désespère pas, ne désarme pas, et je continue de croire à mon pays, et j'ai toujours de l'espoir. Voilà en gros ce que je peux vous dire. J'étais fier et heureux d'avoir accompli cette mission. C'est la première fois. J'ai déjà été deux ou trois fois dans des musées, notamment à Kinshasa. Mais aller au musée de Tervuren, c'est entrer dans un autre monde. Et je repars le cœur fort, riche de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Si d'aventure vous avez des zones d'ombre et que vous souhaitez des éclairages, je vais, tant que faire se peut, essayer de vous les apporter. Merci de m'avoir accordé votre temps. Merci, son excellence, monsieur l'ambassadeur. Avant de passer le micro Et voilà, donc je vais demander directement vous poser une question avant de passer aux autres. Avez-vous pensé à déclencher un processus de reconnaissance des droits de propriété à ces objets? Merci. Les droits de quoi? De propriété. Non, moi, tous ces objets appartiennent au Congo. Je n'ai pas besoin de dire que non, le collier là appartient à Maniamou. J'ai vu un xylophone, un instrument incroyable. Il y avait une pirogue. Je n'ai pas besoin de ça. Pour moi, il n'y a que le Congo. Je ne roule que pour le Congo. Pour moi, il n'y a que le Congo. Je n'ai pas besoin de... Le propriétaire, c'est le Congo, c'est le peuple. Le peuple congolais. Okay, merci. Merci à tout le monde. Merci Kavulu pour le compte du Gossip DRC News. Kofi Olomide, déjà félicitations. Merci. Question dans la ligne Ezraboye, pour te éclaircir, Batubelem Obraolandabiso, aux alain des rares artistes et musiciens, Oyo, aux Anna, Audace, Robin Angoto, Courage. Il y a un problème de métal politique, ça fait longtemps. Obete Masola, machine à voter, et Boujagi Congo, il peut interpeller les politiciens. Et il hésite à rater des fois pour critiquer P.O. Mamoumou Nekende Biente. Mais les lois, ce qu'on fait le milieu, il y a un peu au côté dans le problème de métal politique, parce qu'il y a le premier déplacement dans le compte, il y a l'État. Est-ce que au niveau de la honnête, il y a quoi que ce budget, il y a des placements dans son ambassade, parce que ouais qui paye au monroté, ouais qui vient de Belé, na bas tu me souces pour que tu mettes au monipé et signer la banque paye, bail la banque pété. Est-ce que vous avez la chance de sauver ce budget ou yo, il y a des placements dans son là. Deuxième question là. Moko, vas-y. Non, oui, vous pouvez savoir au budget, vous pouvez s'aimer sur mon moyen, on va foutre à l'habillé, on va foutre à l'hôtel, tu l'as dit le 20, le 5, le 27, et puis de l'autre, ça, le 7, bah, tout le monde était où, vous avez une délégation là-bas, parce que nous, on ne parle pas, ça la délégation là-bas, il y a là-bas, on a joué qui, professeur et à histoire. Il y a l'université de Kinshasa, professeur Sinel, je vois qui, DG à l'Académie du Beaux-Arts, je vois qui, conseillère Mokouya, qui est un ministère de culture, maman Moko, je suis chef d'orchestre de quartier latin, je suis porte-parole de Mali, qui a gouverné Zalpa Mouya, je suis DBJ. Et puis, nous trouvons dans la monnaie, quoi, dans la monnaie le plus important, c'est à dire Bino, papa descend. La courrigo, la question c'était, dans le banan, pas sous là, on va aller dans Ado, toi Adi, toi Pichou, et moi tu vas m'en venir, oui, m'en avoir, sans revenir. Donc, on a tous les bacs, ça.
J'ai proposé et on a accepté. Il y avait deux, trois autres batouilles, par le monde quand même la liste. Et on a comment les journalistes, les chefs d'orchestre, les volcans, là, il y a un ami, tout, ils ont une liste officielle. C'est-à-dire, ma visa autour dans mon AWA. Et ça, il y a un quartier d'attenté. C'est-à-dire, première fois, pour peut-être qu'on a fouillé, pendant la banane musique, pas foutre un habillé, là, il y a poteau. Les autres font la même foutre la bien, dans la demi matin, on est venu qu'il y a la foutre la bien, on a la foutre la bateau, la foutre la depuis des années, donc on a droit à la photo. Donc voilà pour la réponse à la question. Nous tous, on a droit à la terre, sincèrement, la terre. Pas tout, on a traité la terre, bon, comme dans une heure, on a dit ça, ça va revenir aussi. Et puis, il y a eu, tout à l'heure, le bateau sont là, donc ils sont cassés la terre, aux hommes, le domaine de la bino, il y a. Mais est-ce que le lot est au midi? Batuko basagi censé qu'on soit image to évidemment nous oyo eleki et le lot ba kimi na koloba na sali en opété et na première mission de service na chef de l'état PCO et tant aux zones à kuna habité. Et ça, imaginez. Et puis. Là, il y a quand même les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Comme la nageur, comment vous voyez la paix. Les Jeux Olympiques. Il y a un 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 Jeux Laura Tandas, n'a pas le même qui m'a la photo. Non, avant d'aller quitter, aller, et tout ça. Non, donc, on va choisir ça, net, on va nous vendre à net, de besoin, net, oui, on va nous vendre à quelque part, ils ont une boutique à Bango. D'abord, dictateur que vous voyez sur les lignes la commune n'a pas eu qu'il n'a qu'il s'en s'envoie la première maman à côté de l'air sur le sol et vous allez là mais dans un avion n'a eu aussi d'abord mais pas que le jour d'après dans un avion à qui l'a ce qu'on voit à tirer une maman à tirer un hôtel la personne n'a pas eu ça là avec le professeur qui nous dit tout ça c'est normal. Il y a un moment tout normal. Sans que le combinateur de l'arrière disait tel était. Mais qu'il y a un peu de temps pour lui, il y a un peu de temps pour lui. Il y a un peu de temps pour lui. Voilà, il y a un peu de temps. Satisfait? Merci. Mais d'abord, il faut se faire quand même, ceux qui. Vous allez me donner le solo, là, monsieur. Mais vous allez me dire, ah, bonjour, les cadres internationaux. Voilà, c'est une personne qui est un bon corporation et média au Bino Bozala, et au Bino Bozala, diaspora. Peut-être que le Bino a dit, nous avons la parole, et nous devons le faire. Non, Thierry Pini. D'accord. Thierry Pini. Thierry Pini. Oui, moi, San Salvador, moi, toi, même pas le mal, Bref. Et dans mon moment, je dois être sage pas à lui, d'ailleurs. On va quand même plutôt le sol dans le comportement de ma collègue dans le sol. Peut-être que moi, on va reconnaître, non, on va honorer le sol, va déshonorer la profession du sol. Peut-être, mais je ne vais pas vous obliger. Parce que moi, sur la famille journaliste, le lendemain, ma maman n'est pas là, non, en tout cas, vous nous avez déshonoré. Surtout que les hommes ont une visibilité. Les hommes ont un intérêt et une nation à la. Je ferme la parenthèse. Tout.
On suit l'ordre, s'il vous plaît. Thierry, tu te présentes. Thierry Pinzi, Antenna Diaspora. Antenna à l'étranger. Mais Antenna est organisée dans le canal plus sérieux. Oui, je posais la question. Disons Antenna, il y a votre Matikala. Matikalaté, on est toujours avec toi là-bas. D'abord, félicitations, grand Mopao Kofi Olomide pour la nomination. Ça, c'est vraiment un... Le chef de l'État a bien réfléchi et il est tombé sur la bonne personne qu'il fallait. Merci. Voilà. Et c'était par rapport, parce que vous n'êtes pas le seul ambassadeur de la culture. Il y a vos deux enfants, si je peux, collègues musiciens, deux enfants, d'ajouter.